À l'école internationale Elizabeth Bilingue School dans la commune de Mongafula, la journée internationale de droits de la femme placée sous le thème « Le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 » a été célébrée. La promotrice de cette école internationale, Joëlle Kapinga, cette femme parle de la journée internationale des droits de la femme, explique son origine et importance de la femme dans le monde économique face à la crise de la pandémie à coronavirus qui a mis la femmes en première ligne. Devant les élèves, filles, femmes en devenir, des différentes modératrices ont défilé tour à tour pour expliciter cette journée dédiée à la femme pour la lutte de l'égalité dans tous les domaines de la vie. Chers tous, plus affectueusement, chères dames, notre chère autorité professionnelle, au nom de Madame Joëlle Kapinga, première femme de l'établissement complexe scolaire Elizabeth International Bilingual School. Nos pensées pieuses à l'endroit de toutes les femmes faisant partie de notre institution scolaire. Aussi à nos élèves filles, leaders, à venir. Nous vous souhaitons une très bonne fête universelle de la femme. Cette journée spéciale s'inscrit dans le cadre d'une prise de conscience à l'égard de toute celle qui est féminine. Je vous souhaite une bonne fête internationale de la femme. En présent, avant de faire toute chose, nous devons quand même dire un mot à Dieu qui nous a réveillés aujourd'hui, qui nous a donné une bonne santé, qui nous a donné un souffle de vie que nous n'avons rien payé. Alors sur ce, j'appelle Madame Miss Sarah pour la prière. Je vous invite à nous tenir debout. Nous allons prier. Nous gardons silence. Nous avons nos yeux fermés. Par respect de Dieu et de la prière, nous fermons nos yeux. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous accordes pour la célébration de cette journée internationale de femmes ici au complexe scolaire Elisabeth. La Bible dit, recommande ton activité en l'Éternel et tes projets réussiront. Proverbe 16:3. Nous te recommandons cette activité, Seigneur, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Tout ce que nous nous dirons ici reste et nous apporte lumière. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Elle a bien répondu. Elle a une voix angélique. Elle va nous présenter quelque chose de bien. Au nom de Kingombe Hilary. Chère Madame la promotrice, cher Monsieur le directeur, cher Monsieur le professeur, cher Monsieur et Dame enseignants du complexe scolaire Elisabeth, chers amis et chers condisciples, bonjour. C'est pour moi un véritable honneur d'avoir l'occasion de prononcer la locution d'ouverture et de remerciements pour une circonstance aussi particulière. En vivant hommage aux femmes à l'occasion de ce 8 mars, une fête universelle. Nous vous remercions vivement, filles comme garçons, du fait que vous avez répondu présent pour passer un moment très créatif, décrété et de prise conscience à l'honneur du sexe féminin avec tous les filles et femmes du complexe scolaire et tout. L'objectif de cette journée est de parvenir au réveil de la famille, de sa prise en charge quotidienne, du renforcement de ses capacités et de la consolidation de ses actions axées sur le développement. De ce fait, je vous souhaite une bonne journée et une bonne passation de la Journée internationale de la femme. Merci. Tout d'abord, je me pose souvent des questions. Pourquoi est-ce que la femme doit toujours réclamer ses droits? Pourquoi est-ce que la femme
Pourquoi est-ce que la femme a droit à des plus bas salaires? Pourquoi est-ce que la femme a des heures de travail courtes? Eh bien, la Journée internationale de la femme, également connue sous le nom de JIF, est née d'un mouvement syndical pour devenir un événement annuel reconnu par les Nations Unies. Cet événement est né en 1908 lorsque 15 000 femmes ont défilé dans la ville de New York pour réclamer des heures de travail courtes, des meilleurs salaires et le droit de vote. C'est le Parti socialiste américain qui a déclaré la première Journée internationale de la femme un an plus tard. L'idée de rendre cette journée internationale est venue d'une femme appelée Clara Zetkin. Elle a suggéré l'idée en 1910 lors d'une conférence internationale des femmes travailleuses à Copenhague. Il y avait 100 femmes des 17 pays qui ont accepté sa proposition à l'époque. Elle a célébré la première fois en 1911 en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse. Le centenaire a été célébré en 2011 et en cette année, il célébrera techniquement le 110e anniversaire, le 110e journée internationale des femmes. Bonjour à tous. Rina Deboudjane, je vais vous parler de l'importance de la femme dans le monde. La femme a toujours été discriminée quant à l'homme a toujours été prise en compte. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui travaillent dans de grandes sociétés, comme notre madame la promotrice Joëlle Capingalou et notre actuelle présidente de l'Allemagne, Angela Merkel. Cet exemple nous montre que nous, les femmes, avons le droit de travailler. À travers ce que je vais vous dire, on va bien comprendre l'importance de la femme dans le monde. La femme est un être dont l'humanité tout entière ne peut s'en détacher. Pour tout dire, sans la femme, il n'y aurait pas eu le peuplement de la terre. Mais néanmoins, sa place n'est pas à la maison pour produire le citoyen de demain et laisser les hommes se charger de la vie, car c'est lui qui peut le faire. Donc la présence de la femme n'a pas de sens. La femme, bien au contraire, peut faire ce que l'homme fait. Elle a des capacités également et intelligentes. L'homme comme femme, nous sommes tous égaux. Et la discrimination envers ces créatures, qui sont le sexe féminin, ne doit pas avoir lieu. Le sexe faible a toujours été marginalisé et surtout sous-estimé dans la majorité de pays. Mais cela a quand même changé ces derniers siècles. Lorsqu'on est changé, cela ne veut pas dire que la femme a une autorité partout dans le monde. Mais la lutte n'est pas finie. Toutes les femmes qui tiennent à leur total émancipation continuent à se battre sans relâche pour que cela change. Enfin, qu'un jour, elles bénéficient de ce qu'elles méritent. Merci. Bonjour à toutes. Je voudrais compléter de ce que ma précédente amie vient de dire au propos de l'importance de la femme. Pourquoi faire une différence entre femmes et quels sont les critères établis pour juger la femme incapable d'avoir les mêmes droits que les sexes forts? Certaines relient tout cela aux propos qui se trouvent dans les livres sacrés. D'autres disent que la femme est de nature très sensible par rapport à l'homme. C'est pour cela qu'on ne peut pas lui donner de lourdes responsabilités. Mais cela n'a pas vraiment pas de sens, car la femme a pu prouver qu'elle pouvait combiner sa vie entre sa vie de famille et sa vie professionnelle, sans montrer une sensibilité lors de son devoir professionnel. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis venue ma fille, élève de la 6e année primaire, à l'école Elisabeth Sebastian-Valandastou. Aujourd'hui, je vous parlais de la femme dans les talents. Plusieurs femmes leur pensent que le marché est à la maison. Celles qui sont à la maison sont venues pour donner un modèle à leur enfant, les étudier et pour parler pour eux. Et celles qui sont au marché sont là qui vont vendre. C'est pour cela aujourd'hui, je vous parlais de la femme dans les talents. Les droits de la femme et de l'homme se répartissent en rôles différents, qui jouent pour de la solution. En plus de son rôle de mère et d'épouse, la femme joue un rôle important dans la vie agricole. D'ailleurs, nos études sur le rôle de la femme dans l'agriculture tirent toutes de même conclusion. L'Africaine contribue beaucoup plus à l'agriculture que la production agricole. Agricole est dans bien d'autres domaines que dans la loi générale. Dans la société vivante à un niveau de subsistance,
qui revient généralement à la femme de trouver, de cueillir et de préparer des aliments pour sa famille, d'aller chercher du consommable, ainsi que de l'eau et de vendre pour changer par les trains les productions excédentaires au marché local. Ce sont les tâches dites domestiques qui peuvent généralement être exercées dans leur maison. Pour voyer de nourriture dans leur ménage, les femmes assurent le même service sur le lieu de passage et de concentration de la population humaine. Nourrir le sien supposé pour beaucoup de femmes, nourrir les autres, même si elle attend du père et leur enfant, une contribution substantielle. L'homme va plutôt chasser et pêcher souvent loin de chez nous. Il a la dépêcher les terres vierges dans les cadres des cultures sous-brûlées. Ces livres ont commencé sur le fil long visant et responsable de la sécurité de la collectivité. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Jemima Barbara Moïse-Awazi, élève de la 7e année éducation de base à Elizabeth International Baile Moascoul. Aujourd'hui, je vais vous parler de la femme dans l'église. Plusieurs personnes pensent que la femme ne doit pas se tenir devant l'assemblée des saints et prêcher la parole de Dieu, se tenir devant la chaîne. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs enfants dans la rue suite au manquement d'une éducation chrétienne. Nous voyons que Marie, qui était aussi une femme, a trouvé la grâce de porter Jésus, notre Seigneur, dans son sang. Nous voyons également que c'était des femmes qui avaient annoncé la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. En effet, dans la Bible, les femmes ne sont pas que mères et épouses, mais elles sont aussi prophétesses comme Myriam, juge comme Déborah. Je dis et je vous remercie. La parole dans l'église. Nous voyons les femmes ministres, nous voyons dans la politique, il y en a beaucoup, mais nous voulons l'égalité. S'il y a deux hommes, nous aussi nous serons à deux. C'est ça qu'on veut. C'est pourquoi nous revendiquons tous ces droits. Nous en avons besoin. Nous vraiment, nous en avons besoin. À présent, alors, c'est pourquoi nous avons dit à Elizabeth International Violet World School, nous avons commencé la première. Vous savez, c'est une journée où les femmes sont reconnues pour leur réalisation, sans égard aux divisions, quelle que soit la nation, l'éthique, linguistique, économie ou politique. C'est une à l'occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées et surtout de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent le futur général de femmes. Voilà devant moi, je me trouve avec une très très belle fille. Bonjour. Taba, Taba de Bobo. What is your name? Diaye. Ok, what is your school? Kabade. Ok, bon, dis-moi, comment s'appelle votre papa? Oui. Et maman? Kadiba. Ok, tu as quel âge? 24 et moi. nom de Dieu, sérieux? Alors, regarde-moi ici. Pourquoi tu es habillée en panne? Tu es toute belle. Hein? Kata et maman n'y vont pas d'abord. Ok, et alors tu sais pourquoi tu as porté cette panne? Gaman n'y vont pas. Alors, tu peux faire coucou à toutes les amies qui te suivent depuis la maison? Oui. Ok, allez-y. Tapa. Tu salues qui? Yéva Kamo. Ok, qui d'autre? Que moi, je vais gagner. Bon, alors on va faire un petit tour. Viens, tiens-moi. Voilà, vous comprenez que nous sommes au sein de l'école Elizabeth School. C'est avec eux. Nous allons un peu essayer de parler. Un petit peu. Voilà, il y a encore une autre. Bonjour, mon ami. Bonjour.
tell us something about you, okay? For example, I'm Miss Fallon Buzi, okay? I'm an English teacher at Elizabeth International Bilingual School, okay? Today we celebrate the Women Day, okay? That's why we wear pink, okay? Can you make yourself presentation? Hello, my friend. Hello. How are you? I'm fine. Good. I'm fine. Please tell us your name. What's your name? Joy. Joy? That is not your last and your second name. This one is your last name. Your first name, please. Give us your family name. Okay? Give us your family name. Your name is? Joy Onyechukwu. Ah, very good. Our friend, his name is Joy Onyechukwu. Okay? Ah, Onyechukwu, tell us. Today, we celebrate which day? It's which day? We celebrate this day. This day? We celebrate this day. That's good. We celebrate this day. But it's a normal day like all the days? Yes. No, it's not a normal day. Today, we celebrate a woman day. Did you know? Yes. Now, why did you wear a pain? Why did you wear a pain? Because, you know, every day you came here, you wore uniform. But today, you wore pain. Tell us, for what? For the celebration. For the celebration. Very good. I love you too much. Big kiss to you. I love you. Your name. What's your name, my friend? My name is Paluku Kavunda. Oh, Paluku Kavunda, allowed your voice, okay? Everybody wants to hear your voice. We want to listen, okay? Hello. Hello. How are you? I'm fine. Oh, that's good. You are fine. Tell us your name. What's your name? My name is Paluku Kavunda Kemuel. Oh, Paluku Kavunda Kemuel. Oh, you well dressed. You well, okay? Now, please, can you tell us why you didn't wear the uniform today? Why? Voilà, vous comprenez l'ambiance qui se passe ici dans l'école Elizabeth School, située dans la commune de Mongafula, quartier Massangambila, sur la route bypass à Bel Air, à l'école Elizabeth School, pour célébrer la dite journée de 8 mars avec les élèves et les femmes de cette belle établissement. Et je vous signale déjà que cette école... Ils sont bilingues et cette école est créée depuis 2017 à la maternelle et le cours. L'école Elizabeth School pour célébrer la dite journée de 8 mars avec nos élèves et les femmes de cet bel établissement. Et je vous signale que cette belle école Elizabeth School est une école bilingue créée en 2017 à la maternelle. Le cours se dispense en anglais et à l'école primaire, la langue française pour aider les enfants à mieux parler. Tout à l'heure, là, vous allez suivre comment nos amis, en complicité avec leur madame, elle va au moins essayer de nous aider à s'exprimer vraiment avec ses élèves. Bonjour, hello. Hello. My name is Trilda. My name is Trilda. Trilda is not your family name. Can you give us your family name? My family is Mami Mati and Daddy is Rachel Yael. That's good. Thank you. His family name is Kabengele Mubiai Trilda. Yes, that's good. Trilda, can you introduce yourself? For example, you tell us about your school. In which level you are learning, and you can tell us the name of your miss. The name of my miss is Miss Fallon. Good, very good. You are learning in which grade? In Elizabeth School. It's Elizabeth School. In which class? In Bilingual School. It's Elizabeth Bilingual School in KG 3. La femme doit être là, partout. Nous voulons l'égalité dans tout. Parler de l'origine de la journée de la femme, il y a eu beaucoup de femmes qui ont marché
en 1909 à propos des droits de la femme. Les femmes, nous avons des droits bien que partout, même dans les ministères, même dans les églises. Et dans l'église, on croit que les femmes ne peuvent rien faire. Or, dans le moment des mamans passées dans les églises, après les prêcher la parole. Alors, tu sais, je vais vous inviter les dames qui vont intervenir par rapport à votre thème. Il y a deux dames qui sont là, il y a Miss Sarah et Miss Valonne, qui vont nous parler brièvement par rapport à notre thème. Bonjour les familles. Je ne vous entends pas. Bonjour les familles. Est-ce que les filles sont là? Ah, je ne vous vois pas manifester à vous. Ma fille manifester à vous. Oh, qu'est-ce que vous avez pour faire? De la femme. Est-ce qu'on a compris tout et bien cette journée? Alors, est-ce que les filles sont là? Je ne veux pas que vous soyez timides. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Applaudissez, applaudissez, applaudissez pour vous-même. Ok. Nous avons aussi entendu la Yaya ici nous parler de l'importance de la femme. La femme n'est pas seulement là. Comme une machine productrice pour 20 ans. Elle n'est pas seulement là pour rester dans les mémoires, dans la cuisine, mais elle est aussi appelée à assumer des rôles importants dans la société. Est-ce que vous avez entendu l'importance de la femme? Des rôles importants dans la société. Vous avez aussi le titre de notre promotrice, Mme Joanne Katimamoumou. La promotrice de cette affaire, elle assume une tâche importante dans la société. Qui veut dire pour les gens. Et donc,
comprend? Ma famille, est-ce que vous me comprenez? Ma personne, est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Et vous me comprenez? Ne me mourrez pas, je suis l'interprète de la paix. Ok? D'accord. Alors, cette femme, nos jeunes filles, nous qui sommes, nous qui sommes en train de venir, écoutez-moi ce programme. Cette fille est libre. Elle est libre, c'est celui qui fait le micro. C'est celui qui fait promouvoir. C'est aussi celui qui fait un petit bouquet, le mois de ma mère. Est-ce que ma fille vient, ma famille? Ma famille, est-ce que ma fille vient?
important person in your society. Yes, you're right. Yes, I want to be a big person in this country. Men must respect us. They take us like a book. Women can do many things in the society. They can teach, they can lead this country. Men can work. I want to be a teacher for this country. Yes, my friend. At that time, you want to wash this clothes. Exactly. Hey! This time here. Wait, I go to say that to my uncle. My uncle. They don't finish you. What? My uncle. They don't finish you. It's impossible. 2 days I don't eat. Now they start to play with me. Let us go to beat them. You, why you don't finish to wash the car and to cook? We are tired. Shut up! Why you say we are tired? Every day we wash all the dishes. Shut up! And then I don't say to him to speak. Beat them. You are crazy. Nothing more is crazy. Beat them. Where's the rapper? I will beat you. Today I will beat you. If you speak again, I will beat you very strong. Sandy, I have 9. Okay. My name is Sibim Gisagumu Sakasa. I am 9. Okay. My name is Benedict Biakunyenga. I am the 4th grade. My name is Ashelu Mukalenga. I am 7. Okay. My name is Chloe Elonga Nzondivu. I have 8. Okay. My name is Fimpadu Anais. I am 8. Okay. My name is Manda Arrest. I'm 9. My name is Graciela Diaoku. I am 8. My name is Queen Elizabeth, I am 8. My name is Basisa Mercedes Tutondele, I am 8. My name is Godeli Manimin Kangudi, I am 8. Liberation, a long time ago, English women suffragists struggled for women's right to vote. Women deserve her the same rights as men. Autonomization of women. Women can be leaders. Esther Morris, American woman, gave American women the right to vote in 1869. Women, if you want something, no one can give it. You need to take it yourself. God gave us the right to have men because we have other modalities than men. Motherhood is ours. Without women, the world will be chaos. La 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 la. Oh, Barbara, what a good news for you, my little daughter. Good news? Which one, Dad? On my way back home, I met a boy, a Nelson man. And then, you meet? I meet a fiancé. What a good news for you, my little. What a future husband for you, my little daughter. A future husband? No, Dad. As for me, men will come after school and never before. Shut up, Barbara. Don't tell my children to come rich after your story.
love a father like you. You have no choice, my little daughter. You have a father like you. How glad I am to become rich. Merci d'être là parmi nous. Que nous puissions célébrer ensemble notre journée internationale de la femme. J'ajoute juste quelque chose par rapport à ce qui vient de se dérouler ici. Cette journée n'est pas une journée où c'est pas une journée que nous fêtons ou qu'on doit nous donner des fleurs ou des pagnes ou des habits. Non, cette journée internationale doit nous amener toujours à lutter contre pour nos droits. Le droit de la femme, le droit tel que les autres l'ont fait, et nous devons toujours continuer. Il y a nos jeunes filles tout à l'heure là, ils ont présenté la CENET. Dans nos familles, la jeune fille occupe plus la place d'une ménagère. Elle est là pour la vaisselle, elle est négligée par rapport à ses études. Mais nous, à Elisabeth, nous travaillons avec nos enfants pour leur dire, vous êtes libres de faire votre choix par rapport aux études, aller aussi plus loin pour devenir des femmes leaders. Donc, on est en train de travailler la jeune fille à Elisabeth pour qu'elle devienne leader. Elle ne doit pas seulement se limiter, finir ses études et se jeter directement au mariage, bien que le mariage est très important. Mais en tant que mère, en tant que femme, elles peuvent aussi occuper de grands postes au niveau de la République. Pourquoi pas à Elisabeth qu'on sorte une présidente de la République, une première ministre, tout ça. Donc c'est dans le jour à venir. C'est là même le thème international qui nous dit une femme, le genre égalitaire pour un futur avec la COVID. Donc, nous voulons que dans le jour à venir, dans le futur, que nos mamans aussi s'associent à nous pour que la vision qu'Elisabeth a en rapport avec les filles, que ça puisse s'accomplir et qu'ils nous soutiennent. C'est pourquoi nous acclamons la présence de maman. Nous disons encore merci, merci, merci. Et je souhaite encore une bonne fête des femmes et des enfants. Vive la femme! Joyeuse fête de la femme! Joyeuse fête de la femme! Bonjour, je me présente, c'est Mme Joëlle Kapingaloukmou. Je suis la promotrice de l'école Elisabeth. Votre raison parmi nous, c'était juste pour nous aider à transmettre à la RDC ou aux autres qu'à l'école Elisabeth, on est là pour former la jeune fille. Par rapport à cette journée, nous avons voulu juste conscientiser la jeune fille. Préparer une génération au futur, une génération de leaders. Préparer cette génération, que cette génération pourrait nous aider à mener le combat de la lutte contre le droit de la femme, en général. Donc, on est en train de travailler cette jeune fille, travailler aussi entre nous les dames, qu'on se dise qu'on doit être les femmes leaders dans tout ce que nous faisons, que nous puissions mettre ensemble nos idées, et encourager et influencer le monde pour pas l'entourage de Mongafou, là, bien plus loin encore, influencer la RDC. C'est ainsi que, par rapport à notre journée, on a voulu vraiment que votre présence soit là pour que nous fêtons ensemble et que nous faisons entendre notre souhait ou notre journée. Ok, merci beaucoup, monsieur. Vous êtes un homme et vous avez vu vraiment un peu là avec nous ensemble dans cette grande journée de la femme. Dites-moi un peu, pour vous, la journée de la femme représente quoi? Plus précisément, lorsque l'on parle de la femme et que l'on adjoint à cela cette journée, cela me fait penser directement à un réveil de la femme, à une prise de conscience de la femme, tout simplement. Parce que celle-ci, elle a des capacités, de l'expertise, des compétences qu'elle peut mettre en évidence, en exergue dans sa vie, dans la vie professionnelle, dans la vie active, afin qu'elle puisse se rechercher et pourquoi pas faire le même labeur qu'accomplit l'homme. Donc pour moi, cette journée, elle est interpellative. Elle permet à la femme de pouvoir comprendre que pour elle aussi, elle a une part de gâteau. Elle a du pain sur la planche, elle peut faire beaucoup de choses en son honneur,
mais aussi à l'évolution de son pays, de son État et pourquoi pas de la société en général. Bonjour maman. Bonjour. Vous êtes femme et je vous ai vue ici dans cette belle école, je ne sais pas. Je veux vous présenter, nous dire au moins pourquoi vous êtes là, votre présence ici dans cette école, Elisabeth. Je réponds d'abord au nom de Nono Kapepa. Je suis la maman des élèves Ngoïka Paji qui étudient ici à Elizabeth School. Et je suis venue assister aux prestations de ma fille et fêter aussi ensemble avec eux et le corps professionnel un peu. Par rapport, d'abord, parlons-en de l'éducation, la manière dont on dispense le cours ici, dans cette école Elizabeth School. Comment vous trouvez-vous, le parent? Bon, j'apprécie beaucoup la façon dont ils donnent leur cours. Et je dois d'abord remercier la promotrice qui a pris cette initiative d'instruire les élèves et tous les corps professionnels qu'elle a pu trier pour le bien de nos enfants, de futurs ministres, docteurs et ingénieurs et consorts. Vraiment, je la remercie beaucoup et j'ai beaucoup aimé comme elle a eu cette initiative de faire l'école bilingue. La plupart des écoles, on enseigne les enfants seulement en français, mais elle a pris cette initiative de faire l'école bilingue. Et dès le bas âge, l'enfant connaît déjà parler l'anglais pour défendre d'abord l'école et pour défendre le pays et être une grande dame ou un grand monsieur à l'avenir. Donc c'est un peu ça. Today we can know and see exactly that women are not only giving birth machines, are not only there to look after children in the house and wait for their men who went to look for money and to work to bring the result of their work at home. But they are also those women who undertake. They try to do something for the future of their household. Now, I have said again that a woman is that one who brings leads in the society. She brings new ideas in the moving forward of first, her household, her nation, and the world. A woman is a person who do a lot of things. She can be a pastor, she can be a teacher, she can be also a nurse. A woman can be a president, a woman can be a doctor, a woman can be a teacher. L'apport de la femme pendant cette période de crise sanitaire est juste le respect des mesures barrières. Comme vous le savez, dans la plupart des cas, c'est toujours les mamans ménagères en premier avant d'être une femme leader, avant d'être une femme entrepreneuse. D'abord, c'est le ménage dont les dames s'occupent. Et vous savez, dans la plupart des cas, jusqu'à ce jour, il y a des hommes qui n'aiment pas mettre le masque, qui oublient de temps en temps de le nettoyage des mains, ou soit désinfecter les mains avec le gel désinfectant. C'est là et la femme est d'un grand apport par rapport au respect scrupuleux des mesures barrières. Voici le rôle de la femme. La femme est toujours là à nos côtés pour nous montrer comment est-ce qu'il faudrait porter le masque, comment est-ce qu'il faudrait bien nettoyer ses mains avant d'aller ou avant de manger, après les installations sanitaires, ne pas toucher le poignet. D'ailleurs, les ménages, c'est la femme qui le fait. Nous avons promis à ce que nous puissions organiser une telle journée en célébration, n'est-ce pas, de la Journée internationale de la femme. Cela est fait. Je tiens beaucoup plus à remercier chers parents qui ont participé massivement, papa comme maman. Ensuite, je m'en vais également féliciter nos filles qui se sont présentées, ainsi que mes personnels enseignants. Tout le monde était présent. Les activités ont eu bel et bien lieu. Nous avons présenté nos CNES et puis nous avons présenté nos programmes, nous avons défini les mots-clés, concepts-clés. Nous avons conclu en disant que la femme est un être qu'il faut respecter, la femme est un être qu'il faut prendre en considération. Voilà, mesdames, messieurs, vous comprenez que nous sommes pratiquement à la fin de notre belle émission. Et si vous avez aimé comme ça, dites un grand merci à mon équipe technique, à Freddy Takidi qui était derrière ces trois caméras. Et pourquoi pas dire un grand merci comme ça à cette école Elizabeth School.
School qui nous ont vraiment fait confiance de venir festoyer cette grande journée dite une journée de la femme. Voilà, vraiment, nous sommes très, très contentes et très heureuses. Vous avez suivi l'ambiance qui était vraiment au rendez-vous dans cet bel établissement. On